Lady Butter se souvient d'un événement tragique en 1979 où la reine s'est mobilisée auprès des êtres qui lui sont chers. Le cousin de la reine, Lord Mountbatten, passe des vacances en famille en République d'Irlande. C'est le mois d'août. Le fils de Lady Butter séjourne parmi les Mountbatten. Il s'amusait bien avec tous les enfants. Mon fils m'a appelé et m'a demandé « Croyez-vous que ce soit malpoli si je revenais à la maison pour le jour férié ?» Je lui ai répondu « Pas du tout. Ses sœurs seraient là et nous devions recevoir du monde. » Le fils de Lady Butter échappe au pire. Le 27 août au matin, Lord Mountbatten est tué par une bombe de l'IRA placée à bord de son bateau, le Shadow Five. Lady Brebourne, la douairière, le petit-fils de Lord Mountbatten, Nick, et un jeune matelot irlandais trouvent également la mort. Seuls trois membres de la famille en réchapperont. Affreux, affreux. Cela me bouleverse encore. Terrible. La reine propose aussitôt son aide. Sir William Hazeltine admire son dévouement sans faille pour sa famille en deuil. La réaction de la reine a été de rassembler les survivants et de les convier à Balmoral. Ils sont arrivés assez tard. Ils pensaient qu'elle serait déjà couchée, mais pas du tout. Elle était là pour les accueillir et les aider à défaire leurs bagages, pour ainsi dire. La reine les a tous beaucoup aidés et soutenus.